C'est lundi, c'est Yaki, tout ça sur les Vincent Studio, blablabla. On aime le jeu vidéo. On aime South Park cet après-midi. Alors oui, gros changement pour ceux qui sont en étonnement et en stupéfaction totale. On a décidé de juste changer là parce que ben en fait c'est la fin de Mario et on s'est dit que le soir c'était peut-être mieux. Comme ça au moins si ça dépasse sur le temps, c'est plus facile que ça soit le soir, que ça soit l'après-midi. Parce qu'après, nous on va manger, tout ça, blablabla. Enfin, on a droit à notre petite vie, tout ça, tout ça. Donc on se retrouve sur South Park avec le laboratoire de plein de culs. Hein? Les fameux culs de. Et je ne sais pas, qu'est-ce que je dois faire? Parce que ça, c'est. C'est vert, mais qu'est-ce que je dois faire sur du vert? Ah, là-bas, il y a un machin. Mais est-ce que ça va? Ah putain, non, faut d'abord que je passe le truc vert. Comment je passe le truc vert? Est-ce que la souffleuse, ça va suffire? Oh bah super, la sableuse dégage la voie en toutes circonstances. Le jeu m'aide, c'est pas cool. Merde. Salut dièse! Et mesdemoiselles, excuse-moi, hein, Christian Cordula. C'est pas gentil pour Christian Cordula. Craig qui est vraiment sceptique quoi, à la technologie. Et que je comprends parce que putain. L'autre il a fait que de la merde dans son laboratoire. Allez. Bon, tout ça, on sait comment on fait. Par contre. Ah ouais, je dois faire un peu de pause. Ah oui, c'est vrai que je peux repermuter l'heure et la nuit. Bon, on verra. On verra si ça a son importance plus tard. Ah merde, faut que je le tienne. Ouais. Oui, mais ça, c'est parce que je dois mettre ça là-bas. Ok. Ensuite, on va utiliser Mister. Je crois que j'aime toujours autant ce décalage de chat stream. Bah, excusez-moi, hein, je fais ce que je peux, moi, avec ce que j'ai. Hein. Vous êtes mignons, vous. C'est pas ma faute si la fibre, elle est nulle. Ou si votre connexion est pue. Non, mais oh. Alors, on va déjà repasser ça. On fait ça, on va chercher ça là, paf. Hein? Comment je fais? Merde. Sauf que je peux pas monter dessus. Merde. Bon, on va tenter le P temporel, mais. Je veux savoir comment on monte là-haut. Ah bah si, ça faisait une échelle. Oh là là, quel con. Flacon de pizza. On descend l'échelle en cas. Ça là. Et on met l'énergie pour pouvoir descendre. Mais oui, on y va. Bon alors, qu'est-ce qu'il y a comme monstre? Son fils mort, quoi. C'est vrai qu'il est un peu sale. Ah, il y a un vendeur ici, c'est une blague. D'un côté, ça fait un peu peur. Taco suprême. On a acheté du taco, on est heureux. Ah, le dervish hypnotiseur, ça serait bien de l'avoir. Du coup, on ne l'a pas. Bon. C'est pas grave. Et dou 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 dou. Ok. Oh, look at the little 40.
Oh non. Come here, dork. Hey Jasper, get over here, dude. There's a picture of some boobs, man. Boobs? I want to see some boobs. Where? On a failli mourir. Alors, entre les chats, les sixièmes qui sont devenus complètement malades, les abominations générales... Oh là là, il se passe autre... Ah voilà, Tarzan sec pas. Ok. Je peux appuyer sur le bouton. Il y a un truc là. Non. Celui-là. Tarzan sec pas. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le biohazard? On a du Chatterton, des DVD, des salopes en loge neuf. Et le fameux magazine Roploplo. Bon alors, faut que je trouve un moyen... pour essayer de les esquiver. Mais alors, comment je vais faire? Est-ce que je peux mettre là sans activer... Ok. Parce que j'ai pas forcément envie d'activer la terre entière. Bon, et maintenant, qu'est-ce que ça va faire? Si j'appuie là, ça fait quoi? Bon, c'est pour les attirer, mais comment je fais pour les attirer là-bas? Ah putain, je peux pas passer. Je peux... Merde. C'est pas du... Ah, là-haut! J'avais pas vu. Alors, attendez. On va faire panique. Super, ça n'a rien fait. Un fluide d'abcès anal. J'aime. Je suis obligé de me battre contre là, non? Non, 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 non. Ok, PLS. Ok, ça a encore bugué. Putain, c'est pas possible ce jeu. Oui, vous avez l'image, très bien. Ah là là, en plus il est pas du tout long à relancer. Pardon tout le monde, pardon. Le jeu bug. Allez, on continue. Bon. On va dire que c'était les minutes de chauffe. Bon, c'est chiant quand même. Allez, on recommence. Si je fais la panique là... Je retire là... Putain, faut tout refaire. On recommence. C'est chiant. Mais je suis bloqué en fait, putain. Je peux pas appuyer sur le bouton. Merde. Bon. Bah on va voir s'ils sont si compliqués à tuer ou pas. Ils ont que 140 points de vie, mais ils doivent cogner comme des dératés.
Non, s'il te plaît. Oh, ok, c'est bon. Nothing else beating on you guys is really therapeutic for me. Ça va, ils ont pas l'air de faire beaucoup de dégâts. Donc évidemment on va repousser tout le monde et on va même en tuer. Merde, mais quel... Mais quel boulet. C'est pas grave. Ah, mais non. Ils explosent. Quoi? Ok. Bon, bah, ça risque d'être un peu plus compliqué que prévu. Putain. Oh putain. Non mais je vais jamais y arriver en vrai. Ils ont 1500 de vie. Non, il va mourir. Putain. Ah, ça devient compliqué en vrai. Ok, bah je pense que ce combat est mort. Enculé. C'est n'importe quoi. Ah oui, faudrait que je heal mes potes, oui. Genre, ça serait bien ici, oui. La résurrection de Kenny. Qui voit les boobs et qui dit non. Sacré Kenny. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Je sais pas si le combat est possible, hein, en vrai. Je pense que oui, mais c'est compliqué. Faut que je continue en choquer et... Putain, comment je vais faire? J'essaye d'utiliser... Oh non, putain, mais c'est pas possible, quoi. Non, c'est juste pas beaucoup possible. J'ai pas un truc pour ressusciter les gens, là. Ah, et Classy. Voyons ce qu'elle fait. Elle va peut-être nous sauver la vie. Go, Classy. Avec un I et une bite en dessous du C pour aller dans le cul du L. Voilà. Elle va péter un plomb. Oh merde! Quoi, c'est tout? Mais je voulais pas qu'elle tue celui-là! Mais non! Mais elle a tué Butters! Bordel!
Mais qu'est-ce qu'ils font? Ah, si je joue de loin, ça peut le faire en fait. Ok, au revoir, Butter. Bon, Mysterion, tu vas essayer d'utiliser un autre truc. Antidote, non, sérum de réanimation, oui. Sur mon perso, ça serait bien. S'il meurt pas juste après, ça serait cool, quoi. Oh là là, 20 points de vie. Ok. On va se barrer, déjà, première chose. Et on va se soigner. Le pouvoir des fleurs. Bim. Lui, il saigne depuis tout à l'heure, c'est très bien. Sauf que maintenant qu'on a mon perso à moi, on va pouvoir faire d'autres choses. Un peu mieux. Voilà. Déjà, on va pouvoir jouer niveau placement. Et surtout, on peut faire des dégâts et des combos de repoussement et tout ça. Et ça, c'est cool. Enfin, je crois. Ah merde, non, il saute au final, ce gros con. En fait, il tape plus en ligne et pas en colonne. C'est pas si mal. Mais en fait, les combats peuvent être... sont faisables, c'est juste qu'il faut... Faut faire gaffe, quoi. Non. Die. On peut le faire. Ça m'a demandé pas mal d'items, mais au moins c'est fait. On aura réussi un peu. Tout ça. En espérant que ça bug pas. J'ai eu un sphincterplex. Ok. Pourquoi? Ok, sauf que avant, je vais aller voir mes costumes et tout le bordel. Ok. Alors, qu'est-ce que fait le nouvel ADN, là? Des gorilles. Ah oui, c'est vraiment pour eux. C'est la force. Bon, ça se comprend en même temps. Hop, on annule. Et alors, le nouveau truc pluricu, ça fait quoi? Des chances d'élémental, des dégâts de repoussement. Plus de cervelle, plus de santé, plus de... Oh, bon, allez, on va le mettre. Qu'est-ce que j'ai de nouveau dans l'inventaire, là? Ah oui, les tacos suprêmes. C'est très bien, les tacos suprêmes. Alors, Boobies, ouais. Pourquoi je n'ai pas pu... appuyer ici? Putain, j'aurais pu juste les occuper et c'est tout, quoi. Merde. Je suis dépité. Un analyseur de plasma. Tendance homicide. D'accord. Oh, putain, mais qu'est-ce qui se passe dans le jeu, quoi. Et on a ramassé des culs. Les fameux. Alors, nouvel ADN, on a dit. Encore. Les tendances homicides. Ça ne fait pas quelque chose de bien pour moi. Et par exemple, si j'enlève le codex énergisant, on a des dégâts de coups critiques en plus. Moins de récupération de santé, moins de santé d'alliés bonus, et ça c'est con. Parce que nos alliés, il faut qu'ils tiennent, parce que c'est eux qui tankent à notre place. Bon alors, qu'est-ce qui se passe? Sick son of a bitch! You shut up, Coon. Soon this town will be rid of you and all the Coon friends. We're freedom pals, fat ass. We know what you're doing, Eric. Putting cat urine into people's drugs and alcohol to make them crazy. We want to know why. Yeah, why, you sick piece of... Do I really have to spell it out, Coon? This city is sick. We both know it. There's only one time of year when this town is the way it should be. On Christmas. So I joined the Chamber of Commerce and used them to unleash my master plan. Escalate crime in the city.
Blame crime on mayor, run for mayor, get tons of followers, clone new kid into genetic mutant, win election, make every day Christmas. What do you think? Pretty sweet plan, right? Dude, quick! Take a selfie! Pourquoi prendre un selfie? Je comprends pas. It's almost a shame that no one will ever know how perfectly my plan worked. Dude, you've gone too far this time. Nobody's gonna let you be mayor. Oh no? I've got all the new kids' followers. Every last one of them is now following me. Gee, that was smart. Eric, I know that Christmas every day sounds like fun, but it really wouldn't be. Becky, Dr. Timothy, if you guys don't mind, I've got an election to win. God damn it! Well, there goes the main CPU. Darn it, why did I put that thing on a mobilized trap door? Why wouldn't you? I'm afraid now someone will have to go clear to the ground level and call for the tour tram from there. All right, fine. Hurry up, new kid. We gotta get out of here. Yeah, new kid. Stop wasting time. Bon, Mais qu'est-ce qu'il a, lui? I wanna go home. Arrête de chialer, ça m'énerve. Bon, ça commence à devenir un peu tendu, ce niveau-là. Je me demande ce qui va se passer. Bon, écoutez, on avance, hein, on va bien voir. Allez, il faut à nouveau la sableuse. Putain, c'est pas possible. Ce qui est chiant, c'est que c'est... Voilà, ça c'est ultra chiant, quoi. Ok, c'est la première fois qu'on dit que mon cul est génial. J'essaierai de ne pas m'y habituer. Alors, il y a un ventilateur, donc ça veut dire Kyle. Ensuite, ça veut dire quelque chose d'autre. Il y a trop de trucs à faire en même temps. Ça, puis après, il y a ça. Faire une proute mobile. Mais attends, mais où c'est qu'il faut faire une proute mobile? Bon, je sais pas. On va d'abord enlever l'électricité, après on va voir. Ok, donc on avait besoin de ça pour faire notre proute mobile. Et de pas mourir comme des cakes. Ok. Pourquoi il est descendu? Les garçons sont mignons quand ils pleurent, non? Des os, pas des os. Des os, pas des os. Allez, protomobile. Bon. Allez, Zou. Putain, faut encore que j'utilise un pote. Ouais, c'est fou ça. Sur la salle, je les ai tous utilisés, quoi. Comme si on n'avait pas compris. Captain Diabète, le fameux. Bon alors. Oh là! Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ce beans? Looks like you've run into mutant sixth graders. Oh, and they look hungry. Don't get eaten. Faut que je trouve un moyen pour les virer d'ici. Comment je peux faire? Non! Ils m'ont vu! Dégage!
Ok, super. En plus, je me suis fait attaquer. Quel bouffon. Il y en a que 3, mais enfin, il peut y en avoir plus, malheureusement. Be careful of the grates. I've designed them to be removable in case anything wanted to attack people from below. Quoi? Oh non, c'est une vanne! Putain, en plus, faut que je fasse gaffe à mon placement, quoi. On va se mettre là, on va le charmer. Le pouvoir des fleurs! Lui, il est sur une mauvaise case, donc on va faire ça. Comme ça, au moins, il reste là-dessus. Mysterion, tu vas te mettre là en case, tu te fais attaquer, comme ça, au moins, le truc, il bouge pas. Ah non, on va l'attirer. Vite, faut me dépêcher. Et toi, tu restes là. Voilà. On va attendre que les grilles se fassent. Voilà. Putain, mais... What the fuck? Ok, maintenant, on va falloir rechanger de case. Très bien, c'est... Fin du tour. Merde, l'autre, il est plus un... Ah, au final, c'était pas génial, en fait, mon plan pseudo-diabolique. Pseudo-diabolique. Ouais, c'était pas ouf du tout. Donc on va se dépêcher de les buter. Ok, un petit choc. Voilà, Mysterion, on refait la même. Tu la tires, et voilà. Et on va attendre avec Mister Ducon. Comme ça, au moins, ils vont prendre des dégâts et je pourrais finir mon tour si, en cas, il se passe quelque chose. Ok, un mort. Donc maintenant, je peux me mettre là et passer mon tour, évidemment, parce que je crains. T'es un pauvre Twig. Paf, choc. Est-ce que je peux mettre là et le toucher d'ici? Oui, je peux. Ok, bon, on est bien. Le combat s'est passé mieux que je ne le pensais. Ah, bah je me disais aussi... Oh non, il y a un chat et tout maintenant. Oh, putain de merde. On va glacer le chat, sinon il va nous faire chier. Surgelé, oui. Je savais pas que Freeze voulait dire surgelé. Ah, j'ai un ulti, ça peut être sympa, ça. Non, c'est le suicide, je vais pas me suicider maintenant. Par contre, on va continuer de les déplacer sur les... sur les trucs. Tiens. Si tu peux attaquer le chat, ça me va. Ah là 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 là. Qu'est-ce qu'il fait? Mais putain! Ah, il a aussi attaqué le chat? J'ai pas vu. Ah ouais, ils font des attaques de zone, putain! Le chat, de toute façon, il est congelé, on s'en fout. On va attendre que les trappes s'activent. Voilà. Paf! Et maintenant, on change. Et on fait notre super pouvoir. Qui va servir à rien parce que je vais tous les congeler sur place. Bon, on va leur faire des dégâts. Mais... Alors ensuite, est-ce que je peux le choquer deux fois? Pas juste une victoire. J'hallucine. Est-ce que ça va le... Oui, je vais prendre sa place normalement. Voilà.
Oh, here I go, guys. Make some room. Casse-toi, le chat. Putain, je suis obligé de faire ça, quoi. C'est chiant. Faut les embrouiller. Ok, un mort. On va le tuer. Est-ce que c'est bon ou est-ce qu'il va y en avoir d'autres? Putain, mais... Va y en avoir combien, là? Les plaques vont bouger, voilà. Donc on va se décaler. Va falloir que je joue vite pour que mon perso puisse bouger. Mysterion, tu vas faire ça. Ouf. Ah non, j'aurais dû la tirer dessus, quel con. Ça lui aurait enlevé la défense en plus. Bon, c'est pas grave. Ensuite, on applique un état. Cet état est bien, c'est juste que bon, ben voilà, c'est du 50-50 quoi. Après, le choc c'est cool, hein, mais. Oh non. Bon, on va l'annuler ça parce que c'était pas cool. Ça m'a pas plu. Ouais. Paf. Le chat. Bon, tu vas me dire au moins lui il va prendre les... il va prendre la, la... Oh cool. Ça c'est très bien. Et en plus je vais pouvoir me mettre là et faire les ronces. Pratique. Baf. Bon, c'est la dernière vague ou pas? Ça commence à me titiller là. Dernière vague, pas dernière vague. Ok, c'était la dernière. Cool. Le bijou fendu. Oh non. C'est un string. C'est ça? Un brin d'ADN. Je sais pas. Bon, on va voir. On va voir ce que ça fait. Alors, costumes, des nouveaux costumes, génial, génial. Qu'est-ce qu'on a chopé? Des trucs très laids. Bon. Encore plus laid que ce que j'ai. Non, je déconne. Je pense que là, on a vraiment fait le personnage le plus dégueulasse de la Terre. Nouvelle ADN, nouvelle ADN. Qu'est-ce que c'est? Du cran, de la santé en plus ou en moins, je sais pas. J'arrive pas à déterminer. Non, de la santé en moins. Ouais, non, on va pas prendre ça. Et par contre, on a quoi? Ah, c'est un nouveau... Les attaques critiques manquées ont 50% de chance de réussite. Quoi? Les attaques critiques manquées ont 50% de chance de réussite. Ça veut absolument rien dire. C'est pas grave. Ou alors c'est moi qui comprends absolument rien, mais bon. Ça, d'un côté, ça m'étonnerait même pas. Mais... Je sais pas. C'est bizarre, quand je fais ça, je vois qu'il y a du bleu là. Ah putain, j'aurais pu faire ça. S'il faut, ça les aurait. Merde! Je suis pas content. Je suis pas content de moi. Tant pis. Genre, ok, bonjour. Ah merde, c'est mon père. Enfin, ce qui est censé être mon père. Est-ce qu'on va devoir se battre contre son père qui va muter, tout ça? Bon, je suis sûr que c'est un piège, mais bon, c'est pas grave. De toute façon, je suis obligé. Ok. Je sais que c'est un piège. Enfin, je sais. C'est obligatoirement un piège. Oh là là, elle a pris trop cher. Là, il y a de l'électricité.
Bon, je sais pas. C'est bon, on a fait le tour. Bon, allez. Un génie tactique. Ah, ça me plaît par contre. Enfin, ça risque de me plaire. Si ça. Ah, c'est bien ça. Ah, mais j'ai quand même moins de vie. Et moins de déplacement aussi. Non, on aime bien les déplacements, la vie. Dommage. Vraiment dommage parce que ben, ça avait l'air vachement cool. Bon, comment on fait? Je sais pas ce qui se passe, mais ça devient bizarre. Quoi? Hein? Mais non! Je veux pas faire ça! Je suis obligé? Il y a un gros bouton là. Oh putain! Oh non, 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 non! Oh putain, qu'est-ce que je fais? Non, 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 non! Non, non! Non! Oh putain! Bah, par défaut, j'ai envie de dire qu'on fera pas des dames. Parce que, bah, il l'a quand même frappé. Elle est quand même mal en point. Bon, de toute façon, j'ai peur que les deux, ils meurent. Quoi que je fasse. Bon allez, YOLO, hein, tant pis. Y'a pas un truc où je peux juste foutre mon ADN à moi, enfin au moins c'est fait. On va voir ce que ça fait avec elle. Non! Ouais, non, 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 j'ai pas envie de voir. Bon, tant pis, fuck it. YOLO! Ok. Je veux juste discuter. C'est pas possible. Je veux pas te couper le bras. Mais j'ai peur que si je le refais, ça va péter un plomb. Bah après, j'ai été... Ah, voilà. C'est ça que je voulais. Je voulais pas lui arracher le bras. Mais je veux connaître ce qu'elle a dit. Est-ce que c'est pareil pour elle? Non! Je suis obligé de le faire. Oh bordel, bon tant pis.
Je voulais voir si ça faisait quelque chose. Bon, mais je suis obligé, tant pis. Bon, mais fuck it, hein, voilà, ça m'a saoulé. Désolé. J'étais obligé. Voilà, voilà. Fais chier, j'aurais pas su ce que faisaient les effets secondaires, j'ai pas compris, putain. Je suis saoulé. J'ai dû faire quelque chose de travers en fait. J'ai forcément dû faire quelque chose de travers. Fait chier quoi. Quoi? Je vais payer. Oh Et si je fais échappe? Bah non, on va payer. Je trouvais la mère plus étrange que le père, c'est comment on a dit. Bah ouais, mais je savais pas quoi faire là sur le coup. Donc... Je vais payer. Je vais payer, je vais payer. On peut aller jusqu'à combien? Parce que bon. Ça risque d'être long ça aussi. Hein. Ok. Ok. Encore. Y a pas un succès, genre le faire 8 fois, j'en sais rien moi. Bon, tant pis. Allez, c'était drôle. Fallait peut-être le comment ça s'appelle hein. Le laisser tranquille. Ouais, grave. I don't think so, Gaz. You came all this way just to die, Coon and friends. Freedom pals. Coon and friends. Freedom pals. Coon and friends. Careful, guys. He's got some kind of super weapon. It's over, fat ass. We're gonna tell everyone on you. Yeah, you hear that, Connor? You sick son of a bitch. You shut up, Coon. We need each other, don't you get it? I create the crime and you stomp it out. I am good for your franchise. Oh, fuck, I get it now. But then the new kid had to come along and try to stop me for good. I had no choice but to have my own new kid built. What have you done, Eric? Simple. How do you stop a Coon friend? By creating a massive, genetically altered Coon friend from that hero's DNA. What? Oh, dude, that's so fucking base. What do you mean, King? Really? You're just gonna fight a superhero by creating a big genetic mutant from the hero's DNA? That's like every douchebag superhero movie ever. Yeah, because it's Coon. It's not Coon. No, it's Coon because it's like the ultimate enemy. Oh, give me a break. Well, anyways, I wasn't able to finish getting the new kid's DNA. So I had to resort to cloning a different superhero. Which superhero? Oh putain, oui. Qu'est-ce que ça? Oh non. I'm big. Oh mon dieu. Ce jeu, ça devient n'importe quoi. Oh là là, 9700 points de vie. Sorry Kyle, but I'm filled with mutant rage and I have to destroy you guys. Wait, hold everything. Is there a problem, Doctor? Okay. To observe a genetically augmented superhero squashing his tiny foes into a viscous red paste. Pretend I'm not here. Mais putain, mais quel connard lui aussi. Ouais, non, on va éviter ça.
Bon, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va le faire saigner, mais... Et là, en vrai, ça va devenir difficile. Si le saignement l'atteint, est-ce que la congélation l'atteint? Merde! Ferme-la! Tu me saoules. Je suis dans le gras. Quoi? Pourquoi je reviens là? Pas compris. On va mettre un Manolo là. Comme ça, au moins, s'il peut prendre les dégâts à notre place, ça me va en fait. Oui, c'est ton tour, vas-y. Est-ce tout ton nom? Eh bien, fais. Merde. Bon, qu'est-ce qu'il va faire? Ok, c'est bon, il me tape. Non! Ok. Bon, le combat risque tellement long. Ferme-la. Est-ce que je peux toujours toucher ici? Très bien. Parce qu'on va reculer, hein. Ah putain, il est immunisé au choc. Quoi? Qu'est-ce qu'il a? Non! Putain! Non! Putain de... Voilà, je suis énervé. Non mais il va se passer un truc, c'est pas possible, je peux pas me faire démonter comme ça, quoi. Bah apparemment si. Mais c'est pas possible. Ok. Il faut que je change le cours du temps, quoi. New kid, you might want to do that part that rotates the earth 180 degrees now. Ouais. I couldn't find my favorite brand of lotion, so this will have to do. Fascinating. And you broke my fan. Ouais, maintenant. Merde! Oh putain, fallait le frapper pendant qu'il faisait tout ça. Oh, quel con. Bon, on va faire ça. J'avais pas remarqué, mais quel con. Fallait que j'aille vite. Enfoiré! Mais c'est qui conne fort, le petit Butters? Le petit bonhomme, c'est Butters. Ah mais je peux pas taper, non. Mais reste là, idiot. Putain, non! Bon après, Kenny peut ressusciter, mais... Mais là, enfin, je vois pas ce que ça peut faire de plus. Qui est en PLS? Ben, on fera ça avec... avec l'autre. Comment je vais faire pour le buter? Je comprends pas. Là aussi, ça fonctionne sur les lignes, donc j'ai juste à mettre en haut ou en bas. Quel idiot. Je viens de le comprendre que maintenant. Quoi. Donc Wonder Twig, tu te mets là. Et tu tapes là. Ok, cool. Bah non. Ah oh, putain, non. Non. C'est un nom.
tu peux pas le toucher là. Putain, il sert à rien. Je peux avoir des détails. Ouais bon, je sais pas. Je pense que je peux pas le choquer, je peux pas le... Putain, Butters, il sert à rien, quoi. Tant pis, adieu. I'm sorry you did, but I hope you had fun. Try it now, new kid. Use your phenomenal flatus to make it night again. Quoi? The last thing I need right now is a breakout, believe me. Faut que je me dépêche, c'est ça? Je comprends pas, j'ai un truc à faire mais je vois pas quoi. Mais allez, casse-toi, dépêche-toi. Sauf que maintenant, je fais quoi, moi? Je peux pas le congeler, je peux pas... Ah si, ça, je peux le faire. Je pense. Enfin, j'espère. Ok, sans défense, ça, c'est très bien. Putain. Mais ça va trop vite, c'est insupportable. Après je le... Ah, j'ai un ulti. Qu'est-ce que je peux faire? Bah ressusciter Kenny. Non mais c'est nimpe. Je suis tellement salé. Et en plus il rejoue. Non mais c'est une vanne. Putain. Comment je peux faire? Non, mais c'est une vanne. Fait chier. Yes, hasten their journey to the hereafter. Non, mais les dégâts qui collent, c'est n'importe quoi. Je l'ai même pas enlevé la moitié que je suis déjà, mais je suis en PLS total. Et pour un sérum de réanimation, faut être à côté et ils sont tellement loin. Oh là là. Donc c'est la merde. C'est complètement la merde. Parce que là, il a juste à... Non, mais non. C'est non. Donc il faut que je reste tout le monde. Genre très vite. Et sauf qu'ils sont derrière, donc je peux pas voir. Putain! Vite. Ça, mais... ben, je peux choper... Ah, c'est bon, non, en fait, ils étaient pas derrière. Surtout, te dépêche pas. Prenez votre temps. Ça, on va vite mettre ça là. Mais comment tu veux que je lui enlève 5000 points de vie? Putain, mais je fais que rater, quoi. On se casse. Voilà, que lui... Oh putain, non, pas Butters. Ah, mais attends, j'ai un P de... Pour annuler, au pire. On annule. Vite, on bouge. On ressuscite Mister. Je sais que j'ai un ulti prêt, mais je peux pas les utiliser.
Par contre, on va se bouger là. On va soigner. Parce qu'on n'a pas trop le choix. Faut que Twig survive. Putain, non. Bonsoir. Fais un bisou à son cul. Pour nos amis espagnols. Bon. Et maintenant? Est-ce que je refais mon ulti qui lui a quand même enlevé 1000? Ah non, il va lui enlever que 420 là. Ça me plaît pas. Bah, je pense que c'est le meilleur que je puisse faire en vrai. Pff, tant pis. Parce qu'il craint pas congélation, il craint pas le zap, donc. Ah là là. Il aurait fallu que je fasse mon ulti pendant que. Qui se mettait de la crème ou je sais pas quoi et... Oh merde. Mais ouais, mais là il est protégé à mort. Qu'est-ce que tu veux que je fasse quoi? Putain. Ça me saoule. Ouais, génial. Alors on fait la nuit et maintenant on va falloir le cogner comme un abruti. Bon. Ouais. Faut que je l'applique le saignement très vite. Wonder Twig, il faut que tu soignes, il faut que tu soignes tes alliés. Non, 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 mais putain, mais. Soigne. On en a besoin, on a besoin de votre vie. À tous. Machin, vite. Enlève-lui de la défense encore plus. Voilà. Et ben là, on tape et puis c'est tout. Hein. Pas trop le choix. Me faut taper, me faut faire des trucs. Ah ok, il se retourne vers moi maintenant. Cool, on va pouvoir reculer. Toi, vite, mets-toi là. Pff, de toute façon, il est expiré. Ah, Butters, tu me sers pas à grand-chose. Oh non. Ultime prêt. Génial. Quoi? Oh mais non, mais ça va me tuer tout le monde, non. Ah, il me restait un tour. Bon. C'est la merde. Parce que là, je vais avoir des goûts et je vais mourir. C'est ça? Oh putain de merde! Bon, il faudrait que Kenny revive. Mais avant, faut qu'on ressuscite mon perso. Ouais, on va faire ça. À moins que Twig décède, là. Ça serait très chiant. Si Twig décède, c'est chiant. Ok, Twig décède, c'est chiant. Et si je me mets là? Ouais, mais non, il faut qu'il nous soigne. Mais si on reste en groupe, ça va être chiant aussi. Ça serait bien d'annuler son tour. Oh, je peux pas, non! C'est chiant. Là, c'est lourd, hein. Sans déconner. Qui c'est qu'on soigne, Butters ou mon perso? En plus, je me suis mal placé, je peux même pas heal les deux. Là, c'est chiant, ouais. Bah, Butters, il va mourir si je le fais pas, donc. C'est long, c'est difficile. Je vais me plaindre. Bouh, c'est nul, le jeu il est nul et. Et voilà. Pff. C'est ultra chiant. Ouais, mais non. Non, 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 mais non. Jamais de la vie là. Ah, fuck. C'est maintenant qu'on change le jour.
Bah, faut que je me dépêche alors ici tout le monde. Après il est sans défense, faudrait vraiment lui en mettre plein la gueule, mais je peux pas. Je peux pas sinon je meurs. Donc vite, c'est à moi. On va booster nos attaques. Allez, vite. Attaque boostée, ensuite. Vite. J'ai tout raté, putain. Le seul moment où il me faut lui taper dans le lard et faire des gros dégâts, je fais de la merde. C'est dingue. Il lui reste 1400 points de vie, vite. Vite. Allez, plus que 1000 points de vie. Non! Bon. Est-ce que je peux lui enlever la défense avec ça? Oui, je peux. Donc je vais le faire. Là, il faut que je le finisse. Hein, de n'importe quelle façon, il faut que je le finisse. Sans mourir. J'ai un ultime prêt. C'est très très bien ça. Et c'est à Butters de jouer. Je peux gagner en fait en faisant ça. Yes! Eh ben putain! Quel bordel! Gros combat. Hein? Quoi? Quoi? Mais qu'est-ce qui se passe? Quoi? C'est le boss de fin? Non, c'était pas le boss de fin. J'ai rien compris à la fin. Alors, rien compris. Oh, ferme ta gueule. That was pretty amazing, dude. I've never heard anyone rip one like that. Well, I hope you've all enjoyed the tour. Mais ferme ta gueule. New appreciation for what genetic engineering has to offer. You're now all free to exit right through the gift shop. Gift shop? Non, c'est une blague. For enjoying the rest of your day, perhaps you'd like to buy a I Survived Genetic Mutants t-shirt or purchase a photo of you enjoying the tour. Lots of great things to remember your visit. Let's get the fuck out of here. That was bullshit. All right, we gotta go tell on Cartman. Who do we tell? I don't know, what time is it? It's... Oh, shit. Oh, no! What is it, Mysterion? Dude, the new kid farted so big, he made it next week. What? Check your phones. It's 10 days later. Huh? Oh, great, the new kid farted us to next week. Damn it, he screwed us. Way to go, new kid. Cartman's being sworn in as mayor today, and it's all the new kid's fault. Come on, Freedom Pals, we have to stop him. Bah de rien tout le monde hein. Ok. Bah c'était compliqué. C'était compliqué et c'est même pas la fin. Qu'est-ce qu'on a? C'est quoi ça? Pour avoir de la santé alliée bonus et de la récupération de santé. Eh ben c'est bof, voilà. Pff, c'est dit. Ok. Oui, bon, on arrive. Inférieur à la puissance recommandée. Hein? Je fais ce que je peux, ouais. Pourquoi inférieur là? Il me manque toujours le chocolat, par contre. On l'a pas trouvé. Il nous manque le chocolat qu'on n'a jamais trouvé. Ça m'énerve un peu. Le mec super énervé. Je suis énervé parce que je suis énervé.
Où c'est qu'on pourra avoir le chocolat? Je sais pas. Il me faut le chocolat. Hey, new kid, where to? Est-ce que c'est la fin, Homer Shelmer? There you go. On en est où là dans notre jeu en vrai? Parce que... Alors il nous manque... Il nous manque un chat. Il nous manque un chat, il nous manque un ou deux yaoi. Et on peut toujours pas aller au Canada. Je sais pas en vrai là. Je sais pas. On va aller chez nous, voir ce qu'il y a de nouveau dans notre coffre. Je traverse, il y a une voiture, on s'en fout. Je sais pas où je vais, enfin... Je sais pas ce qu'il me reste à faire en vrai. Parce que le chat, je l'ai jamais trouvé. Et il y a plus de sang partout dans la maison, qui c'est qui est venu nettoyer? Mais qu'est-ce qui se passe? Ok. Il n'y a personne. Ok, bon, je sais pas. Je crois qu'il me manque aussi une toilette ou deux et je sais pas. Je comprends pas tout, sans déconner. Bon. On va bien voir, hein. Mais ça sent la fin, c'est ça qui me chafouine. Oui, ça me chafouine. J'essaie de rester poli. Il manque des trucs, mais... Genre, je sais pas... Genre, est-ce qu'on a pu aller là-bas? Genre, on n'a jamais pu aller là-bas. Donc déjà, j'ai aucune idée. Oula! Qu'est-ce qui se passe? Ok. Oh no. It's over. We lost. But we can't lose. Face it, Kyle. Thanks to the new kid, Cartman is mayor and there's no one left to help us. New kid, come in. Who is that? Pretty sure that's Morgan Freeman. Kid, there's been some kind of time shift anomaly. I can only assume it came from your ass. Come to the taco shop. We have to fix this. Ah bon, on va peut-être avoir le chocolat, hein. All Freedom Pals report to Freeman's Tacos now. Party in the evidence locker after we nabbed that vigilante. Bon. Eh bien, nous allons chez Morgan Freeman. Mais il me manque un chat. Moi, je voulais savoir ce qu'il allait me donner. Le super gay, ça avait l'air génial. Dit comme ça. Est-ce qu'on peut rejouer à la banque?
Y a un truc à faire aussi ici. Gosh, darn it, I don't think that vigilante setting a good example for the young folks. Sorry, I can't be on social media with someone in your economic class. Need another hit of capitalism, huh? On peut faire tourner la roue en attendant. Ouh, on fait tourner la roue. Ouh. Allez. We've got tech stocks. Ouais. Ça arrête la roue avec tes compétences. Quoi? Mais je peux pas l'utiliser là. Ouais, de l'or. Alors, tu as un nouveau bonus. Les banqueroutes, la banqueroute vire à l'or ce tour seulement. Oh, on peut le garder, ça peut être sympa. Oh, on fait tourner la roue. On va faire ça. Voilà. Je l'ai utilisé le bonus. Ah non, c'est bon. Oh là là, swap 4 banqueroutes contre cash et vice versa. Quoi? 4 banqueroutes contre cash et vice versa. C'est à dire que si je l'utilise, en fait mes 4 cases de merde vont devenir. Ouais non. On va dire que j'ai plus de chances de gagner que de perdre là. Putain. Cool. On a gagné le niveau. Et si je continue ça. Ah on recommence, allez vas-y. Je suis devenu très riche. Super, le soja. Multiplicateur de gain x3, on l'utilise de suite. Ouh, beaucoup d'argent. Celui-là, on l'utilise pas maintenant. On fait tourner la roue. Si je perds, c'est que j'ai pas de bol quand même. Oh là 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 là. Immunisé contre la prochaine banqueroute. Mais je veux faire ça. Ah, je peux pas l'utiliser. On fait tourner la roue. On va dire que c'est, si je tombe sur la banqueroute, en fait, ça va me le faire tranquille, tout seul. Pff, je m'envole. Je suis un esclave salarié. Je continue. On fait tourner la roue. C'est trop bien. Ouh, de l'or, ouh. La banqueroute vire alors. Non, on le fera après. Enfin, on va peut-être même pas l'utiliser si on a un autre bonus qui est plus intéressant. Non, on va garder ça. C'est mieux. Enfin, c'est mieux. C'est plus intéressant, je dirais. Oh ! J'ai cru. Le multiplicateur, bon allez, on va le prendre, mais... Ça me fait peur. Ça me fait peur parce que là, les places de banqueroute sont assez éloignées. Ok, c'est bon, je suis très juste. On continue, on veut gagner les sous. Allez, le soja. On aime le multiplicateur par 3. Dès le début, ça peut être bien. Genre, si on tombe sur cette case-là... Bon, juste celle à côté, c'est dommage. Encore un multiplicateur par 3, donc en fait c'est pas mal. On a juste à tomber sur un truc un peu mieux que l'or. Putain, il suffit que je le dise pour que... je vais utiliser le bonus. Comme ça, moi, je suis sûr de gagner et d'avoir... peut-être mieux que l'or. Ouh, immunisé contre la prochaine banqueroute. Donc en fait, je fais tourner la roue et je gagne quoi qu'il arrive. N'est-ce pas? Ouf, j'ai évité la faillite. On fait tourner la roue. On fait tourner la roue. Oh, le million. Je suis confortable. Allez, on continue. On veut gagner les sous. Je sais pas en fait si je me prends une vraie banqueroute, est-ce que je redescends genre tout en bas? Je sais pas. C'est bizarre en fait. Je fais tourner la roue. Win big. Je veux tomber sur une puce électronique. Je suis immunisé contre la prochaine banqueroute. C'est bien. Je veux tomber sur ça. Oui. Des valeurs technologiques, c'est quoi? Arrête la roue avec tes compétences. Bah... Pff.
Ça fait quoi? Ah, je l'arrête quand je veux. 1, 2, 3. Merde! Je suis encore immunisé contre la prochaine banqueroute. On fait tourner la roue. C'est magique. De l'or. Ça fait quoi? La banqueroute vire à l'or. Mais on le fait! Et donc je regagne ça. Donc en fait, avoir de l'or tout le temps, c'est trop bien. Ah merde. Bon, ben on va essayer de multiplier le gain. De toute façon, je peux éviter les banqueroutes, mais bon, c'est pas... Oui. Je suis à l'équilibre. On continue. On joue pour gagner des sous. Ouais, ça c'est cool de pouvoir... Enfin, ça serait con de tomber sur une banqueroute maintenant, ça serait mauvais. Arrête-toi. Non. J'ai un problème avec les jeux d'argent. Alors, arrêt. Petit blagueur, passez votre chemin. C'est quoi? Manipulation de marché? Je comprends pas. Qu'est-ce que ça va faire? Oh! Le bruit de Simon, là. Faut que je clique, faut que je sois très rapide en vrai. Putain, je sais pas comment arrêter. Putain, c'était là. Bon allez, c'est pas trop mal. Parce qu'en plus on est immunisé contre la prochaine banqueroute. On fait tourner la roue. Oui, le soja. Allez, vas-y, le multiplicateur, tout ça, allez. En espérant que ça soit pas la banqueroute. Ça sent mauvais. C'est très bien, c'est très bien, c'est très bien. Allez, on fait tourner la roue. Allez. Merde. Non, c'est bon. Oui. Je suis trop fort, je suis à 1%. Je veux devenir le 001. Allez, c'est parti. Je ne m'arrêterai jamais. Oui, l'argent. Ah, ça c'est bien ça. On utilise le bonus. Ça j'aime pas. Ça c'est bien, mais à la fin quoi. Oui! Yes! Je veux la manipulation de marché. C'est parti. Putain. Merde, je l'avais. Trop tard, mais c'est pas grave. Bon, là, la roue, elle est pas cool. Hein. On peut le faire. Non! Je veux réessayer. Ah, mais ça va! Attends, j'en suis où là? Je suis redescendu ou pas? Je sais plus. Ah, ça c'est chiant. Faut l'avoir à la fin, ça. Ça, j'aime bien la manipulation de marché. Merde. Yes. Comme ça, moi, j'arrête la roue avec mes compétences. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. On refait ça. 1, 2, 3, 4. Ah, dommage. Ah non, c'est bien, en fait. Comme ça, j'utilise ça de suite et je suis sûr de gagner, quoi. Enfin, sûr. Not bad, not bad. Et en plus, je peux éviter la banqueroute. Impec. Ah oui, je remonte à 1%. En fait, c'est si je perds, je redescends d'un grade. Bon, on y est presque. Je m'arrêterai jamais. Neva.
Ah, ça j'aime dès le début. Allez. 1, 2, 3. Allez. Qu'est-ce que j'aimerais choper? L'argent là. Le symbole argent, ça peut être bien. On utilise le bonus. 1. Attends, on va essayer de choper celui-là. 1, 2, 3. Yes. On utilise ce bonus. On va essayer de rechoper l'argent. Oh putain, je me suis viandé. Bon, c'est pas grave. On va utiliser le bonus. Je peux le refaire. C'est pas mal. Ça, c'est bien, ça. Bon. Maintenant, il me faut absolument choper un truc positif, là. Genre... Rouge ou orange. Oh non, c'est pas fini. Ah mais attends. Si j'utilise ce bonus maintenant, ben voilà. J'ai un peu plus de chance. Yes. Ah, j'ai eu un achievement loup de la finance. Allez. Je quitte parce que je fais partie des 1% et maintenant tu fais un selfie avec moi. Yes. Je suis trop fort. C'était rigolo. J'ai aimé. Je suis trop fort. C'est tout. C'est que du timing. J'aime le timing. Allez. On va voir Mister là. Salut Morgan Freeman. Il nous a télépété. Bon alors. Ça a l'air bon dit comme ça. Ok. Now, I have to warn you, friend. Once you eat the 7-layer quesarito chipotle beefy nacho supreme, there is no going back. Make sure you have everything you need before you eat this. Merde. Oh, ça veut dire qu'il faut que je fasse toutes mes quêtes avant. On va faire la pause maintenant et je vais y réfléchir pendant 10 minutes à ce qu'on fait. Ça sera peut-être plus sympa. Est-ce qu'on a fait les trucs ici? Oh, on a tout fait. Genre, peut-être tuer Morgan Freeman. Enfin, tuer. Essayer le combat contre Morgan Freeman, peut-être. Je sais pas. Bon, on fait la pause. Je vais sauvegarder. On sait jamais si le jeu, il pète. Hop. Et on revient dans 10 minutes. À tout à l'heure, tout le monde. Les gens, j'ai bien réfléchi et je vais aller chercher les chats et le dernier yaoi. Sauf que on va dire que je me suis fait un petit peu aider pour on va dire les yaoi, parce qu'on m'a dit qu'il m'en manquait deux, mais en vérité il m'en manque qu'un. Voilà. Donc on va bien voir. Déjà je vais aller voir Al Super Gay parce qu'apparemment il file des comment ça s'appelle hein, des indices concernant où sont les chats. Attends, où je suis là? Je me suis planté. Merde, je suis trop. Ah, je me suis trompé. Je suis trop haut, je me suis planté de maison. Oui, oui, parle coréen, vas-y. Et qu'est-ce qu'il y a là, lui? Tiens. Je
sais même pas ce qu'il fait, mais... C'est bizarre. Bref. Apparemment, il file 2-3 indices où sont ces chats, donc... Hey, little superhero. I'm only missing one more little kitty. Can you find him before those fucking sixth graders do? 1, 2, 3, 4, 5. Bah, il en a 5, non? I don't know what I'd do without my little kitty friends. Can you find my kitties? I just can't indulge in social media without them. Mais normalement, il en a 5. Here, pussy pussy. Bon. What's wrong, Forthy? Chicken? Je suis dépité. Damn, où c'est que j'ai pu manquer un chat? Je comprends pas. Ici, là. C'est sûr qu'il y a rien, là? Si, il y en avait un, là. Et les B aussi. Ah, les B aussi, je les ai pas toutes. Hein. Mais bon, les B, je pense que c'est un peu plus compliqué. Là, on a fait notre pot. Où c'est que j'ai pu laisser un chat? Oh, y a un truc aussi au Ustorid que j'ai pas fait et je peux pas y revenir. Oh non, la loose. Ah mais est-ce que je peux y revenir quand c'est la nuit? Ouais, peut-être. Peut-être qu'il y a toute une partie du jeu que je peux pas atteindre parce qu'il faut que ça soit la nuit. C'est une bonne question, ça. Bon, on va fouiller. What can I interest you in today? Putain, je viens d'y penser à ça. Peut-être que je peux pas y aller. Merde. Où c'est que je voulais aller? Ah oui, je sais. Où était le gros travaux là? Là-bas. Il y en avait un près du lac. Ah, il y en avait un en haut de Soda Sopa. Chez les vieux, ça m'étonnerait. Aren't you sweet? Showing your loved one that the outside world knows they still exist. Je suis énervé. Je trouve pas mon yaoi. Je trouve pas mon yaoi ni mon chat. Là, il y en avait un. Et putain, mais où c'est... Ils sont... un chat. Il y en avait un à Soda Sopa, non? Merde. Alors attends, je réfléchis. Je suis du Canada. Attends, on va faire un... Celui du Canada. Celui à Soda Sopa. Celui aux travaux. Celui au... Celui aux travaux. Celui aux travaux. J'ai oublié. Ah, à côté de chez moi ou de chez bébé, je sais plus. Et un haut lac, non? Putain. Je sais plus, moi. Je recommence. Canada. J'arrive même pas à compter en fait. Canada, Soda Sopa. On va dire lac. Travaux. Bébé.
Il m'en manque un. Putain! Mais où il est, ce con? De yaoi et de chat. Ah, il y en avait un aussi à côté du parc. Donc en fait, ça fait bien 6. Il y a un problème. En vrai, j'ai un gros problème. C'est que techniquement, je les ai tous. Il y en a 7 ou 6. Cette voiture que j'arrive pas à ouvrir. Aussi, tu vois qu'on n'a jamais pu rien faire. Mais salopard. À moins que j'ai loupé un truc au labo. Non, c'est pas possible, j'ai dû faire une connerie, c'est juste incroyable d'en arriver là. Ok, je peux y revenir. J'ai dû louper un truc, c'est pas possible. Genre la boutique de souvenirs ou que j'ai pas eu accès. Elle est où, d'ailleurs? Pourquoi y'a plus personne? Salut. Ouais, c'est bien, mais... Oh putain, je peux pas y revenir. Et là? Ah cool, c'est quoi ça? Bah c'est la sortie. Ok, ben, je peux plus rien faire ici, à moins qu'il y ait un truc derrière le bar. Non, ça m'étonnerait. Ah, ah ben on y a cru. Bon, là il y a rien. En parlant aux scientifiques. I really need to reconsider my tour policy. C'est pas con. Amazing. All this time I thought more asses were better than one, but it's what's inside the ass that counts. Oh yes, let's make some memories. Super, un selfie. Docteur Mephisto, génial. A triumph. Bon. C'était pas la solution. Et on a regardé ici, il n'y a pas d'œil. Est-ce qu'après je peux utiliser... Ouais, je sais pas. Oh ! Bonjour. Ça là, on les avait pas vus. Peut-être qu'il faut parler au monsieur des yaoi directement. Ben, je sais pas. Je vais voir. Bon, il me manque une Member Berries. C'est pas mal. Ben, je vais vérifier les emplacements des chats, mais faut que je sache s'il y en a 6 ou 7. Parce que moi, j'en compte 6. Sauf que chez lui, il y en avait que 5. Et ça, ça m'emmerde. Genre, il y en avait un là. Oh putain. Je vais pas refaire tous les endroits, c'est quand même con. Pourquoi le jeu il me fait ça? Je connais l'emplacement des 6 chats que j'ai trouvé, mais j'en ai que 5 chez Al Super Gay. Et ça m'ennuie.
Là aussi, il y en avait un et je l'ai eu. Y a rien ici. Des member berries. Oh, Caprice, son. Oh, those are the greatest. I remember. Oh, I remember. Ah, j'avais pas fait, Monsieur Stevens. Ok. Thanks, kid. See you on the news. Ok. Qu'est-ce qu'il y a dans cette maison? On avait fait ça ou pas? Je sais pas si on l'avait fait. Je pense pas qu'on l'avait fait. Apparemment, il y a que 6 chats. Mais je les ai tous ramassés! Me dis pas que j'ai fait aussi planter mon jeu. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ça? Il y a des fleurs un peu partout, mais c'est quoi les fleurs? Ça correspond à quoi les fleurs? Genre, il y en a un à l'église, il y en a un là. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh! Attends. J'ai une idée. J'ai une sale idée même. The master of fashion. Check out my new items, they're amazing. Ouais non, je vais pas dépenser mon fric dans toute ta connerie, hein, tu m'en veux pas. Okay, est-ce que j'ai fait un selfie avec toi, bébé? Oui, c'est déjà fait. Attends. J'ai peut-être une idée. Parce qu'il y en avait un qui était dans cet arbre là dehors. Sauf que, contrairement aux autres, la branche est pétée. Et s'il faut que je revienne dans le temps. Ça doit être ça. Putain. Revenir dans le temps, c'est comment? Non, ça c'était la pause. Putain, ça doit être ça. Quel idiot. Mais normalement, les chats y revenaient. Putain, décidément. Oh yes. Je le fais tomber comment? Attends, on va se décaler. On va remettre le chat. Parce que normalement, si je fais ça, il va tomber. Et après il se casse. Donc on va faire. On va essayer de réactiver le jeu comme il faut. Le dessin que tu as trouvé, c'est l'emplacement des yaoi. Oh merde! D'accord. Ah ouais, mais bon, je vais pas le prendre en photo pour aller vérifier quoi. Comment je le ramasse le chat? Comment on ramasse ce chat? Faut que je me mette devant là ou... Ah là! Et si je mets pause? Yes! Kirby Super Gay, oui. Enfin! Putain, c'est l'emplacement des yaoi! C'est une blague! Mon dieu, tu as retrouvé tous mes chatons. Oui. Fight or we don't get paid. Après, je pense que j'ai fait tous les garages du monde, non? J'ai besoin d'une vraie carte. Ah oui, c'est vrai qu'il y a deux costumes, blablabla. Voilà, les costumes, on s'en fout, blablabla. Les lunettes, là, les cheveux, parce qu'on en a plein, ouais, super. Pour avoir des jolies nattes, on est content. L'inventaire, blablabla. Bon.
Oui, je voulais ma carte. Je sais plus comment on fait. Voilà, merci. Alors, bon. Faut que je vérifie. Oh, des hommes crabes, c'est une blague. C'est chez Butters là ou pas? Non. Bon. I can grant you unlimited D-chat, human. J'en ai loupé un dans un garage. Je sais pas. Lui il est en PLS cosmique quoi. Putain, le dessin, c'est l'emplacement des yo. Ça c'est chez nous, non? Ah, ici tout a été fait. Ninja. I shop in my ninja stuff for nothing. Il n'y avait pas Captain Désolation. I'd be happy to lend my unique set of sidekick skills if you're interested. Bah j'aimerais bien. Doogie. Ah, je l'avais pas fait. Ok. Thanks, new kid. I'll follow you on Instagram. Vous savez que j'aurais pu en louper un quoi. C'est ça que je comprends pas. Après je veux pas refaire tous les trucs quoi. Non, là ici y a absolument rien, on peut pas monter au-dessus, bon. Bon, on va retourner gentiment chez... Je sais comment il s'appelle. Chez Al Supergay. Hein. Merde, ça saute pas. Est-ce que je passe par Soda Sopa ou pas? Il y a des Member Berries. On les a prises. Oui. Bon, ici, il n'y a rien. Chez Kenny, je sais même plus si on en avait trouvé un ou pas. Ah, et dans son garage. On y est passé. Salut. Tu veux faire un selfie avec moi? Merde. On l'a déjà fait. Ok. Ouais. Get your own waffle. Be careful out there, hun. A lot of shady shit go. Là, y'a rien? Ah, si, c'est vrai. Elle, on l'avait fait, non? I'll take another picture with Super Doll Finder. Oui, on l'avait fait parce qu'on avait trouvé sa poupée. Ici tout a été fouillé. Où c'est que j'ai pu laisser un yaoi? Putain. Il y a un endroit que j'ai pas visité. Ah, fiche de perso de Mysterion. Cool. Il m'en manquait une. Putain. Je ne sais pas où chercher ce yaoi. Ici tout a été fait. Pouf. Après ici je peux bouger librement mais. Bon. Eh bien, nous ne savons pas. Voilà. Genre j'ai tout fait jusqu'ici. S'il est au Huster Hit, ça m'emmerde. Bon, on va rendre les chats déjà. C'est pas loin. J'ai pas vu de passage piéton là. Si? Comment je fais pour venir? Ah, ici.
Et comme j'ai pas pris en photo l'emplacement de... Comment ça s'appelle, hein, les emplacements des yaoi, je sais pas si j'ai fait le... Si j'ai bel et bien fait le truc du story, quoi. Thank you so much for saving my sweet little kitties from the cicadas. Et maintenant, ça va faire quoi? It's the least I can do. Thanks. You put the super back in super. Je peux devenir un super miaou. Je veux devenir le chat vengeur, ça peut être très drôle. Bon, on sait pas. Et on peut faire une photo avec elle, super gay, qui est quand même priceless. Avec un petit téton, genre Affidavit Turner, tout ça. La fameuse. Ok, bon. Bah, il me manque un yaoi et après je lance le truc. Et ça me fait chier. Parce qu'il faudrait que je refasse tout, quoi. Merde! Je l'ai tapé juste dans la. Dans la. Comment ça s'appelle? Je l'ai tapé dans la boîte aux lettres. Je voulais pas me battre contre des putains de ninjas, quoi. Bon, il y en a que deux, mais. Je m'en fous, quoi. Ah, mais dis pas que le combat a bugué. Ah, c'est bon. Alors, déjà, on va dire je t'aime. Genre, I love you. My body is strong. Vas-y ninja! Diamelo. Toi tu bouges pas. Je réfléchis, où c'est que j'aurais pu laisser. Derrière un mur de. Un truc comme ça quoi. Merde, faut pas que je le tue parce que l'autre sinon je pourrais pas le toucher. Genre, je peux pas zapper mon. Voilà. Problème numéro 1. Pff, on s'en fout, en vrai. On passera. Putain, non! Mais casse-toi! Good news, everybody, I'm shielded. Ok, bye. Ok, bye for now. Il m'énerve lui. Bon, ça c'est fait. Est-ce qu'il faut aussi buter tous les ninjas pour pouvoir faire un truc au City Folk là? Je sais plus comment ça s'appelle. Ah, il m'en manque deux, ouais, peut-être. Je sais pas. Bon, on s'en fout. Vers où j'allais, je sais pas. Ici, y a pas d'IA, et bien non, évidemment. T'as même où c'est que j'aurais pu en oublier un, quoi? Où? Mais où? J'ai Kyle? Non, ça m'étonnerait. Bon, bah, je sais pas, donc tant pis. J'ai envie de dire tant pis. Je vais pas chercher tous les emplacements, quoi. Il y en a un que j'ai loupé et où j'en ai aucune idée, quoi. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé là? Dans la chambre de Ike. Ben si, on l'avait eu. Derrière le comptoir du raisin, on l'a fait. Commissariat de police, on l'a fait. C'est la chambre de Ike, non. Attends, mais. Non, c'est chez Butters. Oh putain, on n'a pas fait les câbles là. Freeman Taco, aux toilettes, oui. Au bureau de la rue principale, étage. Ouais. Sloppy Second. Toilette de terrain de jeu, boy. Toilette de terrain de jeu, girl. Ah, attends, il y a les deux?
On peut aller voir, mais... Qu'est-ce que... Une photo de catch, objet clé. Quoi? Mais non, c'est un cock ring. Ok. Pourquoi je peux pas aller dans les toilettes de Butters? C'est une bonne question, ça. C'est peut-être les dernières toilettes qui me manquent, mais je sais pas comment on y va. Attends, mais... I like Mitch Connors. I don't need any trouble from you, little crime fighter. Photo de catch a été donnée. Oui, alors. Pourquoi il me l'a prise? Elle a été ajoutée et ça m'a filé 20 balles. Ok, bon. Si vous voulez. Oh là 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 là. Fight or we don't get paid. Garage de Craig, clé à récupérer au raisin. Ça par contre... bah non, Craig... Attends. Attends, c'est pas con ça. En fait, me faire la liste comme ça, c'est sympa, y a pas de souci, mais... C'est ici, chez Craig, non? Bah, je vois rien. Peut-être si je reviens dans le temps. Non, il n'y avait rien. Et ici, il y avait quelque chose, mais c'est déjà fait. On va aller voir le mec, tant qu'à faire. Ah, putain. Salut. Farpoy, I wanted to thank you for helping Craig and Tweak bury the hatchet. He was really driving his mom and I bonkers. Ok, super, ça m'aide pas. Il y en a deux à l'école. Celle du gymnase. Bon, le gymnase, on l'a retourné, re-retourné. Ah, peut-être à l'étage. Pff, j'en sais rien. Parce qu'on pouvait s'envoler avec... Non, mais sans déconner, mais où j'ai pu le laisser, ce connard de truc. Tom Rhinopasty dans la salle de... Ah. Ah, c'est pas con, ça. La maison de Henrietta dans la chambre des parents. Oh, chez les Émaux. Putain, c'est vrai, les Émaux, on n'y est plus allé. Alors attends, elle est où la maison d'Henrietta? Ça, c'est une autre question, ça. Maison d'Henrietta, putain, c'était la bleue. Allez, on repart. C'était ça, là. Salut. Tu veux faire un selfie avec moi? Ok, merci, monsieur Beagle. Ouais! Bonjour madame. Ok, madame Beagle. Va falloir que je refasse toutes les maisons du monde aussi pour avoir toutes les photos, mais bon ça... J'ai pas envie de le faire maintenant. Enfin, je sais pas. Bah, je ferai une sauvegarde au pire, bon. C'est où la chambre des parents? C'est pas là. Mais est-ce que vous voulez être mon ami? Allez! Go away! I refuse to subscribe. To social media agenda. I got more important stuff to do than selfies right now, okay? Ah, mais je veux faire des selfies avec vous, je vous aime. Bon, tant pis. Oh, putain, il est là. Soumission de quoi? Bon, c'est pas grave. Please come see me and pick up your reward. Oh, it's my favorite local superhero. Eh ben merci. Au moins c'est fait. Enfin, putain. On peut se barrer. Salut. Oui, eh ben. C'est quoi ça? Explosif du coude. On a tous les yaoi et c'est tout.
No. Godspeed, fart boy. I won't forget what you've done for Craig and me. Ok, super. Ça n'a rien donné. Putain. Tout ça pour ça, quoi. Je suis dépité. Même les chats, ils m'ont filé un truc, quoi. Oui, parle coréen, vas-y. Fais-toi plaisir. On retourne au... Oh putain, faut que j'aille là-bas. Faut que je fasse tout le tour. Je fais le con. C'est vrai que chez Zemo, on y est passé, mais vraiment, un coup de vent. J'ai même pas regardé les toilettes. S'il faut, c'est eux les derniers qui me manquent. Bon, c'est pas grave. Au final, les quêtes secondaires, elles m'ont pas amené beaucoup de choses. Hein. À part une ou deux, quoi. Ah, je suis deg. Allez, on se dépêche. On n'a pas que ça à faire. Le taco. Oui, oui, ta gueule, oui. Merci. Allez, c'est parti. Oui, je le mange. Je prends un taco que je mange. Now you must fart back in time to before Mitch Connor was sworn into office. You can do it. You just have to believe in yourself. Ok, c'est parti. Tellement épique. Qu'est-ce qui se passe? Mais où on va là? Ok. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah! Me dis pas que c'est le début du jeu. Mais je les avais faites les... Concentre ta puissance. Oh merde! Me dis pas qu'il me faut tout refaire. F, V et... Ok, c'est bon. Mais je les avais faites. Non, je suis vraiment retourné dans le passé, genre de ma vie tout court, ou... Qu'est-ce qui se passe, là? Genre, ça va être la préhistoire quand je vais sortir? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que c'est que ça? Mais je suis allé dans le futur en fait, pas dans le présent. Enfin dans le passé, pardon. Oh là là. Ah donc c'est maintenant le trou du cul fracturé. Le voilà, le pourquoi du comment. Oh putain, non, pas lui. Chut.
What they put in these drinks? Mr. Mackey, there's cheese in your alcohol. You have to stop drinking. No, but it's the holidays, boys. There's nothing wrong with a little drink on the... Ok. Attends, mais qu'est-ce que... Oh non, c'est les petits animaux de la forêt. Oh non, 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 non. Non. Oh putain de merde! 1800! My Christmas gift to you. Oh putain de merde! Non mais ils vont tous me faire ça, de toute façon, ça sert à rien d'annuler quoi. Alors celle-là non par contre. J'ai peu vu d'épisode de la série, mais lui, je m'en souviens, ça m'a traumatisé. J'avoue. Ah oui, Jésus! Priez. Oh là là, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Faut prier Jésus, faut prier Jésus! J'ai martyrisé ma touche F. Attends, mais c'est pas Jésus ça, si? C'est plein de... Oh merde. Oh non. Non, maintenant le boss c'est le Père Noël. Oh là là, mais... Et il s'attend. Est-ce que ça va être notre pote maintenant là? Qu'est-ce que... Non! 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 Putain, je peux jouer le Père Noël. Alors, qu'est-ce que ça fait? Alors, il peut mettre un grand coup dans les machins et... Les petits animaux de la forêt détestent le pain d'épices. Donc, en fait, si j'en invoque un, genre là, on est content? Je comprends pas. Ils vont me martyriser les fesses. Oh mais non, mais Butters, mais pousse-toi quoi. Tant pis. Oh, je vais tellement prendre cher. Non. Je veux pas. Reste là-bas. Oh là là. Oh, ça rase. Non mais c'est super parce qu'en fait j'ai tout le monde qui va crever. Mais comment je vais faire? Oh là là. Pourquoi la vie est dure? Mais lui, il va mourir. Genre, je vais passer mon tour, il va mourir. Putain. Bon, bah avant de mourir, essaie de... Allez, au revoir, Butters. Et désolé. Par contre, faudrait que je sauve Tweak.
Twig, ce serait une bonne idée de le sauver quand même. C'est chiant, j'aurais attaqué avant Butter, j'aurais soigné les deux, quoi. Bon, tant pis. Alors, un coup de batte de baseball dans la gueule, ça vous plaît? Paf! Ouh! Il tape fort? Mais il brûle. Oh, enculé, mais... Oh! Je vais peut-être pouvoir les arrêter. Avec un ulti bien placé. Pitié que l'ours... Attends, ça fait quoi déjà son ult à lui? C'est... Ça pose quoi? Juste confusion. Non. On va interdire celui-là de jouer. En priant que l'ours ne me frappe pas. Genre vraiment. Si l'ours me tape, je suis dans la merde. Yes! Non! Il touche tout le monde. Oh non, bah je suis mort. Putain! T'as mis niquez-vous, quoi. Et l'autre qui soigne, hein. Oh là là. Ça dure 8 ans. Je pense qu'il va falloir refaire le combat, malheureusement. À moins que je me suicide. Ça peut faire de gros dégâts. On va faire ça. Ah, le Père Noël, il est un peu bloqué. C'est chiant. Il est en train de brûler et c'est tout. Elle est pas morte? Merde. On va essayer de la finir quand même. En espérant que... Je vais pouvoir ressusciter quelques... Non! Je pourrais pas. Putain, mais c'est n'importe quoi! Oh, mais niquez-vous, les petits animaux de la forêt, hein, sans déconner. Et l'autre qui soigne, il me saoule! Putain, mais comment je peux les taper? Parce que là, en vrai, qu'est-ce que je fasse d'autre? Je peux toucher personne. Ce truc que je peux faire, c'est ça, quoi. Lui, il va mourir. À moins que je mette, genre... un truc là, et ça fait quoi? Faut que je comprenne parfaitement comment... Parce que s'il faut, c'est à cause du pain d'épices que... Que je me suis pris des trop gros dégâts dans la tête. Faut que je regarde. Ouais, non, c'est mort. Bah tant pis, je vais recommencer le combat. Hein. Maintenir pour passer. Oui, je passe. Bah oui, mais... J'aime bien, j'ai maintenu espace pour passer, au final ça n'a rien fait. Oh là là. Ce jeu il est cassé, quoi. Au revoir, monsieur McKay. Oh God, it's them again. Les petits animaux de la forêt, quoi.
be scared, yeah. Ah cool, là j'ai pu. Putain, je comprends plus rien. Bon, en vrai, j'ai juste à attendre le premier tour, je vais rien faire. Hein. Enfin, si le combat se lance. Allez, tu peux le faire. Tu peux le faire. Ok. Allez. New kid, you have to pray to Christ. Yes, yes, of course. New kid. C'est le remartyrisage de la touche F. Là, je vois. Allez, allez, dépêche-toi. Qu'est-ce que je fais là d'après vous, bande de trimards? Putain alors. Ok, cool. Bon, on reprend. Allez, mettez-vous tous en place là. Pendant le combat, même si elle Papa Noël, tu peux quand même lancer une invocation de Jésus slash autre. Ah, genre Moïse, peut-être. Ouais, ça va voir. Je sais pas. Et ils sont heureux. Bon, on va mettre un pain d'épices, mais genre vraiment sur une ligne où il y a personne. Et j'aurais dû déplacer le Père Noël. Parce que là, tout le monde va bouffer. Putain, j'ai encore fait le débile, quoi. Ah non, Twig peut bouger avant. Est-ce que Twig, tu peux congeler? Il peut pas. Il peut pas congeler le l'ours, parce que l'ours, il va me mettre une claque. Est-ce que je peux mettre là-bas? Je peux pas mettre là parce qu'il y a les putains de cerfs qui sont morts, quoi. Ah, par contre, choquer le... Choquer le healer, c'est une bonne idée. Le healer est fèche, il fait ultra chiant. Hein. Ça, je peux l'annuler encore. Oh, je suis du bol. Merci, le pain d'épices. Là, par contre, je vais manger Butter Semer. Ouais! À moins que je le soigne avec un sort de... Ouais, je vais le soigner avec... quand ça sera son tour. Est-ce que je baisse leur... Ouais, c'est bien ça. Baisser la défense, c'est pas mal. Toi, toi, tu vas rien faire à part te soigner, idiot bête. Comment on fait? Plus 100 de vie. Ouais, mais non, jamais de la vie. 200. J'ai pas mieux. 300. Ouais, c'est pas mal, 300. Ok, cool. Comme ça, moi, il meurt pas. Enfin, du moins, pas maintenant. Ensuite, my turn. On va... Est-ce que je peux les rendre... genre, à moi? Parce que ça aussi, ça peut nous sauver. Yes! Ça fonctionne. Allez, le Père Noël. Oh, ils sont tous... Tous comme il faut, là. Paf! Là, par contre, je vais bouffer. Elle tape son pote. Fuck! Il me faut vite mon ult avec mon perso à moi.
ça risque d'être la PLS. Voilà. C'est la PLS, c'est la PLS, c'est la PLS. Oh bon, bah, Butters, excuse-moi, t'as servi à rien du début jusqu'à la fin. Voilà. Tu peux, si, tu m'as permis d'encaisser deux coups. Merci. Ah, ce truc qui soigne. On le butait. Avec le choc, c'est bien. Alors, Mysterion, que vas-tu faire, mon pauvre? Bah, tu vas taper parce qu'ils vont être congelés. Et surtout que t'as baissé la défense, ça serait con de pas en profiter. Ok, bon, bah, on va le faire que pour eux, parce que, de toute façon... On va essayer de gérer d'un côté le Père Noël et Tweak, et de l'autre, on va essayer. Et surtout, faut que j'enlève le Père Noël et Tweak de la même ligne. Parce que sinon, c'est la merde. Les deux vont prendre des dégâts et je veux pas ça. Ok. Donc on va mettre le Père Noël là. C'est surtout dans ce putain de... Allez! Plus de heal! Si, il a 5 points de vie! Mais avec un choc, ça devrait passer. Genre, ils vont faire... Oh non! Paf, choc! Toi, oh non! Paf, choc! Il lui reste un point de vie, quoi. Juste un. Le chiffre 1. Ah, putain. Je sais pas. Faudrait que je soigne, en vrai. Faut que je m'approche de mon perso. Donc, on va faire... annuler. Faut que je m'approche, comme ça, moi, je vais pouvoir... empêcher lui de jouer. Au moins il nous tape pas. En espérant que le choc de la biche tue le... Ouais, non, hein, c'est bon. Genre paf, choc. La biche, elle va taper dans le Père Noël. Si le Père Noël y tombe, je pense pas que ça soit très grave. Ah merde, il avait plus de choc. Bon, bah ça, c'était pas du tout prévu. C'est pas grave, allez. On va dire que c'est pas grave. C'est après, j'aimerais faire des ronces, mais j'aimerais d'abord le... Je peux pas en tuer, hein. Ah, tant pis, ça me fait chier, il a un point de vie, mais je vais pas le laisser à un point de vie pour qu'il me martyrise, quoi. Ok. Ensuite, on va soigner... tout le monde. Et surtout, avoir les attaques boostées. Tant pis pour toi, Père Noël, mais c'est pas grave. Au moins, tu vas tuer le heal. C'est déjà bien pour moi, là, après. Paf, voilà, merci. Encaisse. Rien à foutre. Ensuite, elle... Tant mieux, elle tape sur Mysterion. C'est le mieux à faire. Et de toute façon, au pire, je pourrais... Je peux soigner le Père Noël, au pire. Je sais pas. Je sais pas trop ce qu'il me faudrait faire. J'ai l'attaque boostée, tu vas me dire. Faut que je profite de cette attaque boostée. Ouais. Faut que je profite de l'attaque boostée. Ça, c'est non. Comme ça, au moins un tour en moins pour eux. Elle tue le Père Noël, bon, tant pis. C'est pas grave. C'est surtout lui qui me fait peur. Oh, Tweak, il va prendre trop cher. Dans ce cas-là, il faut que Tweak, avant qu'il meure, il fasse un truc bien. Mysterion, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas enlever de la défense à cette connasse. Ah, j'annule prêt encore. On va le faire après. Parce que là, normalement, je tue l'autre, là. Putain, meurs pas!
Bon, tant pis. Je fais une erreur. J'ai fait une petite erreur. Enfin, une petite. On va se mettre là. Et on va se... Putain, c'est vrai qu'il peut pas se heal tout seul. Donc on va jouer qu'avec mon perso. Génial. En espérant que la biche ne puisse pas toucher derrière son pote. Sinon c'est la merde. Oh, il est vivant! Twig is alive. Bon bah ça, j'étais obligé de me le manger à un moment donné. C'est pas très grave. Vu qu'il saigne à mort, c'est cool. Ah si elle peut! Merde! Bon! PLS! Faut que j'aille congeler les deux là. Oh, je peux pas avoir les deux. Non! Lui, je le tue. Lui, je le tue. Ah non, je le tue pas, il reste 4 points. Ouais, mais après, il décède. Ah, tu vas me dire, après, je peux ressusciter Kenny si je fais ça. Et là, je peux toucher les deux ou pas? Non, c'est ça va le pousser sur l'autre. Bon, on va faire ça. Et il est compliqué, ce combat. Il faut qu'il ressuscite... Ah, à côté de moi, putain! Bon, on va ressusciter ici, tant pis. Bonjour, ici PC portable Kune. Pourquoi Bambi sort de l'enfer depuis la sélection de la triple classe? J'ai pas regardé les VOD. En fait, je suis... C'est compliqué à dire, mais en fait, c'est Noël, et comme c'est Noël, bah, y a les petits animaux de la forêt, et les petits animaux de la forêt, bah, c'est des fils de Chang, voilà. Ah, mais je l'ai dans l'os, là. Le combat est vraiment trop dur. Oh, putain, mais sans déconner, mais je prends 15 000 dégâts dans la tête, c'est pas normal. Lui meurt, ok. En fait, c'est possible, sans déconner. Non, là, je le tue pas. Ok. Plus qu'un. Non. Saleté de Bambi de merde. Me faut recommencer. Je suis énervé. Je peux pas passer cette vidéo. Mais pourquoi ce combat est trop dur? Et on va changer, je pense... on va changer Butters qui sert à rien, on va mettre un truc qui tank. Parce que là, sans déconner, c'est pas normal. Je suis tellement vénère. Et bim! Les petits animaux de la forêt. On peut passer? Ok, très bien. Alors, on change Butters. P. Butters, malheureusement, tu sers pas à grand chose. Qui pourrait faire des dégâts? Qui pourrait encaisser, en fait? C'est ça le problème. Superware, il sert tellement à rien. J'aimerais bien mettre Wendy. J'aimerais bien mettre Wendy ou le moustique. Le moustique est pas mauvais. Mais il faut que je vois quelqu'un qui ait de la santé, quoi. Genre, lui, il a de la santé. Lui, il a de la santé. Moustique, Everyday. Ben, le problème, c'est qu'il va se prendre une schiste dès le début. Ah, à moins qu'il joue en premier, lui. Bon, on va tester.
J'aime bien le moustique, mais ça me fait chier de... Oui, c'est bien, tout ça, blabla, les alliés. J'ai tous les alliés, bon, ça c'est cool. Ouais, des costumes, génial. Blablabla, blablabla. Bla, bla. Attends, j'ai un nouveau... J'ai peut-être un nouveau comment ça s'appelle, artefact qui peut me sauver là. Parce qu'on est on est allé chercher 2-3 trucs. Genre c'est quoi ça? Oh, c'est le soutien mutuel. Les pouvoirs de super Ouais, alors non. Putain, fais chier. Désolé des gros mots mais ah oui, on a un super voilà. qui fait absolument rien. Bon, tant pis. Allez, on commence le combat. La façon, il va rien se passer. Oui, dépêche-toi. Est-ce que je charge l'ulti pour le prochain combat ou pas du tout, là, en fait? Je sais pas. Où était l'avertissement 18+ sur le Twitch? Je sais pas. Il a dû sauter comme chaque semaine. Allez, c'est reparti. On va encore martyriser la touche chef et on est content. Allez, on va réinvoquer Jésus. Ferme-la, je martyrise ma touche chef. Ok. Ça, on peut le passer. C'est le Père Noël, il arrive, on n'est pas content. Voilà, blablabla, combat. Ok, c'est parti. Là, on attend au minimum 30 secondes que le combat se mette en place et que le jeu comprenne. Ah, putain, ça s'est passé plus vite que prévu. Hooray! Allez, on est reparti. On va se mettre là pour pas... Ah, mais non, je peux pas. Donc on va faire exactement comme tout à l'heure. Et si on bloquait la ligne? Non, c'est pas la meilleure des idées. On va essayer de refaire comme ça et de voir si la RNG est avec moi ou pas. Parce que ça avait bien fonctionné sur le premier tour, je vois pas pourquoi ça fonctionnerait plus après. Ok, le moustique va pouvoir jouer sans... Oh putain, je vais pouvoir tous les dégoûter. En fait, c'est pas mal. Genre, on arrive, paf! On aime bien les... Et en plus, il a l'attaque boostée. C'est pas trop mal. Ensuite, Mister, là, ben, on va essayer de faire comme tout à l'heure avec le Père Noël, et puis, comme on peut... Est-ce qu'on avait fait ça? Est-ce qu'on s'était mis sur la même ligne? Sachant que cet enculé de renard pourrait nous la mettre à l'envers. Parce que la biche va aller... Non, on va pas le tenter. À moins que... On fasse ça. Et dans ce cas-là, ça... Dans ce cas-là, ça sauve pas mal de mes moves. On va faire ça. Comme ça, au moins, lui, il joue pas. La biche va aller sur le pain d'épices. Bon, lui, tant pis. S'ils restent comme ça, c'est bien parce qu'ils vont tous rester alignés et ça me plaît. C'est ça, dégueule. Elle va aller sur le pain d'épices. Voilà. Ça, c'est bien. Toi, tu joues pas et tu te tais. Toi, tu fais quoi? Ah, tu tapes maintenant, c'est nouveau ça. Ensuite, lui, on va abaisser la défense. Merde!
Ensuite, là, on va utiliser nos pouvoirs de séduction, vu qu'on a quand même un super soutien-gorge sur la tête. Voilà, on aurait bien voulu le nounours, mais bon, on va faire ça. Qu'est-ce qui se passe? Ok. Père Noël, tu vas taper là-dedans. Faut qu'on explose le heal. Ok, elle a servi à rien. Bravo, mon pouvoir de séduction. Putain. Ce qui est bien, c'est que le moustique va pouvoir se soigner. Ça, c'est très cool. Il va faire des gros dégâts. Mais ça serait bien de se bouger parce qu'en fait, le nounours va encore faire une attaque de zone et les deux vont manger. Ça m'énerve. J'essaie de réfléchir, mais j'y arrive pas. Oh, au pire, on va commencer à tuer ça là. Vondertwick, Wunderbart. On va rester sur cette ligne. Et on choque ces merdes. Oh putain, je prends quand même le... Non. J'ai dit non. Ave Satan. J'espère que c'est le seul à prendre et pas... Ok. Allez, ultime prêt. Paf. Elle va soigner parce que c'est tout ce qu'elle sait faire de toute façon. Ah, faut vraiment que je martyrise la marmotte, mais... Si je garde les deux collés, en fait, le pouvoir du choc est plus important. Alors, il faut que je baisse. La défense de celui-là, maintenant. Et maintenant, on gèle toute cette connerie. On va jouer sur les altérations d'état et sur le heal. C'est genre, premier tour, je fais ça. Le second, je vais les pousser et faire du saignement. On est pas mal. Il y a juste Mysterion qui est un peu dans la... Dans la dèche, mais c'est pas grave. Allez, toi, paf. Voilà. Plus vite je tue le heal, plus vite je me sens... mieux je me sens, pardon. Parce que plus vite je me sens, c'est bizarre. Toi, prends le choc. Paf. Ok, une en moins. Mon petit moustique, tu vas te mettre là. Tu vas faire ça. Parce que je veux qu'avec le choc, le raton laveur décède. Toi, tu vas me réappliquer un choc là-dessus. Ah merde, il y a Bambi qui va arriver aussi. Boum. Ah, sur les altérations d'état, on n'est pas trop mauvais. Ok. Notre pauvre Père Noël qui en prend, mais alors plein la tronche. Yes! Ah oh, putain, il lui en reste 5, elle va le soigner avant, tant pis. Le choc la tue. On est pas mal, on est pas mal. On aime beaucoup. Sanic. Oui, it's time to shine. Je sais pas. Bon, on va faire ça. Je veux certifier les kills en fait. Genre lui, faudrait qu'il meure avant, sinon il va taper. Donc on va faire ça. Ok, comme ça au moins on va pouvoir tous se soigner tranquille. Sauf le Père Noël. Oh putain, attends, je peux faire ça. Est-ce que les deux vont aller dessus? Ça serait beau que j'arrive à faire survivre tout le monde. Ça serait prouver que je suis vraiment un excellent joueur de qualité et... On va se calmer.
Je peux pas aller bien loin. Allez, fin de tour. Fontertwick. Qu'est-ce qu'il va nous faire, Fontertwick? Fontertwick, il va empêcher la biche de jouer. Comme ça, au moins, elle va pas casser le pain d'épices. Et peut-être que le renard va se mettre dessus, et donc je suis tranquille. Non. Dommage. Mais elle ira peut-être au tour prochain. Enfin, j'espère. Adieu, Père Noël. Bon. Ça serait bien que si je me mets... Attends. Parce que le heal de mon perso, c'est... deux cases. Si je me mets là, là et là, ça passe. Si j'arrive à me mettre là-bas. On va se mettre là pour l'instant. Je suis en ligne directe. Tant pis. Je prends le risque. Comme ça, au moins, on heal tout le monde et on fait une attaque boostée à tout le monde. Ok, la suite. Je peux toujours pas le faire, donc on va pas se mettre là, on va se mettre là-bas. Parce que j'ai pas envie de me mettre en... tous sur la même ligne, en fait, c'est ça le problème. Est-ce que je peux me mettre là et... ouais. Ok. J'ai du bol. J'ai bien fait de laisser un... En plus, j'ai bientôt mon ult. Oh là là, je vais prendre trop cher. Ok. Paf. Mysterion. Tu baisses l'armure de cette connerie. Ulti prêt. Parfait. C'est exactement ça qu'on voulait. Voilà. Je vais encore gagner des tours. Et je vais pouvoir bien bouger avec les autres. Après, la biche, elle fait mal. Elle fait du 400 et quelques. Elle cogne bien comme il faut. Ouais, le mosquito. On va le dégoûter. On va... les deux sont déjà en choc. Bah, faut taper, hein, de toute façon. Il faut taper. Ok, lui meurt. Mysterion, tu vas me faire un plaisir de martyriser Bambi. Voilà. Ensuite, je vais te pousser quelqu'un dessus, comme ça au moins il va y avoir un dégât de repoussement. Genre pif paf. Voilà. En plus, ça saigne. Et je suis bloqué, je peux pas attaquer avec mon moustique. Fuck. Par contre, je peux... bah... pff, reste là. Ouais. Par contre, Vandertwick, tu peux faire des trucs. Tu peux l'empêcher de jouer. Ce qui est encore plus pratique. Nice, Fontertwick. Eh ben, j'aurais presque mis une heure pour faire ce combat idiot. Adieu, petit animal de la forêt nul. Les versets de fête. Je suis niveau 11. Ça fait quoi? Absolument rien. C'est dommage. Oh putain. Attends, quoi? Une clinique d'avortement pour un trou du cul fracturé? Non, c'est une blague. Bon, on va penser à s'arrêter malheureusement parce que ça va être l'heure. Mais on va aller à la clinique parce que quand même j'ai envie de voir ça, vite fait.
J'espère qu'il n'y a pas de combat ni rien parce que... Me dis pas qu'il va falloir taper des femmes enceintes pour pouvoir rentrer. On sauvegarde, on fait quoi? On sauvegarde ou on fait quoi? On sauvegarde maintenant? Allez. Bon, bah, désolé tout le monde. Oh non, je voulais pas voir ça. C'est dégueulasse. Donc nous allons sauvegarder après cette vision d'horreur. Et on vous dit à lundi prochain pour la suite de South Park. Et à tout à l'heure pour Mario, où on risque de finir le jeu. Enfin, on va finir du moins l'histoire du jeu. Voilà, voilà. Donc, à plus tard. Moi, j'ai faim. On va manger un bout. Et on se dit à plus tard. À ciao tout le monde.